Salut à tous, c'est Mister Freeze et on se retrouve sous cette musique culte pour un nouveau Oxus, celui de Zelda X Awakening DX. Donc sorti en 93 sur Game Boy noir et blanc, puis refait en 98 voilà sur la Game Boy Color, donc sous la version DX que je vais faire. Alors, donc pour l'histoire, bon, c'est classique, parce que bon, voilà, on est perdu, on va devoir sauver le monde, hein, enfin, le truc de base. Mais c'est quand même spécial, parce que c'est le seul Zelda qui a une ambiance comme ça, vous allez voir. Donc déjà, bon, on commence par un réveil. Voilà, donc l'ambiance vient surtout des musiques, en fait. Qui sont assez particulières, je vais monter le son d'ailleurs, parce que je crois qu'on entend mal. Voilà. Donc on se fait, voilà, on a été pris d'un orage, on s'échoue sur une plage, et on se fait, comment, sauver, enfin pas sauver parce qu'on était pas mort, enfin voilà, on se fait récupérer par une fille nommée Marine, voilà, donc ça c'est son père Tarquin, qui nous donne notre bouclier, qu'il avait retrouvé avec notre nom dessus. Donc la musique, bon, ça fait très Game Boy, hein. Et c'est normal vu que, bah, que c'était un jeu de Game Boy à la base, noir et blanc. Donc là, vous allez voir, il y a quelques références à Mario, dont ce chien. Oui, c'est censé être un chien. Hein. Alors je crois que ça s'appelle un schtroumpf, ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc là pour l'instant, je vais pas trop vous parler de l'histoire, mais parce que bon, ça va venir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, putain, me faites pas chier. Il faut aller à la plage. Voilà. On peut pousser les oursins grâce au bouclier. Bon, le son est peut-être un peu fort en fait. Voilà. Et donc là, on rencontre pour la première fois Hibou qu'on va rencontrer tout le long du jeu en fait. Voilà, il nous dit que pour quitter l'île, il faut réveiller le poisson rêve. Et voilà qu'il faut aller vers le nord dans la forêt. Là vous allez voir, c'est sympa, on avait une musique voilà de réveil. C'est énorme. Et donc là, voilà, on retrouve la musique normale, donc cette musique assez classique, on va dire. Donc alors, par contre, si vous avez regardé Ages of Seasons, je vous préviens, cet épisode est beaucoup plus dur. Bon, sans compter les donjons optionnels en mode Link et tout, mais vous allez voir que déjà, dès le premier donjon, bon, les énigmes ne sont pas dures, mais déjà, rien qu'au niveau des ennemis, c'est... On crève beaucoup plus souvent, vous allez voir ça. Alors la musique du village, ça fait vraiment village tranquille et tout, mais ça me rend super nostalgique parce que bon, j'ai joué la première fois le jeu il y a, ça va faire 5-6 ans on va dire, je l'ai terminé deux fois ce jeu, qu'une fois sur ma Game Boy Color, ouais. Et une fois sur émulateur après. Mmh.
Et là, on va récupérer notre premier quart de cœur. Voilà. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent pas la série, voilà, quand on a 4 quarts de cœur, on a un nouveau cœur, donc un point de vie, quoi. Donc, je dis ça au cas où il y aura des gens qui connaissent pas encore. Et là, on va comme prévu à la forêt du Nord. Et on re-rencontre le hibou. Donc voilà, on est sur l'île Cocolint, voilà, qui n'existe sur aucune carte. Vous saurez le pourquoi du nom du jeu. Je sais pas si je vous l'avais dit, on peut traduire ça par le réveil de Link, Link's Awakening. On saura vers la fin du jeu pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc déjà on entend parler de poisson rêve, donc déjà rêve, réveil, voilà. Vous allez voir, musique assez particulière. En fait, c'est, je pense que c'est le Zelda le plus, comment dire, le plus mystique, le plus mystérieux, quoi. Parce qu'il a une ambiance vraiment particulière. Donc là, le raton laveur, on va lui parler, vous allez voir. Voilà, il nous dit j'aime pas ce qu'il épouse. Donc vous voyez où on est là. Donc si je monte, normalement, je devrais me retrouver ici. Enfin, dans la case d'en haut, quoi. Et regardez, clac, et non, je me retrouve là. Donc ça, ça peut un peu rappeler les faits dans Elvis. Oui, je vais souvent les comparer, parce que c'est des épisodes de la même console. Hein. Même si celui-là est sorti bien avant, parce qu'il est sorti d'abord sur Game Boy, normal. Donc là, en fait, notre but, si vous avez eu le temps de voir ce que marque Hibou, parce que je l'ai passé un peu vite, c'est de récupérer... bah, la clé de la cave Flagello, parce qu'il nous a dit qu'il fallait aller à la cave Flagello qui est au bord de la plage. Voilà. 5 contre lui, voilà. Donc, alors les ennemis, c'est les mêmes aussi que dans Oracle of. Un quart de cœur qu'on peut pas récupérer encore. Et là, on trouve un champignon. Alors là, ce qui est assez marrant dans cet épisode-là, c'est que tous les objets, même les objets de quête et tout, apparaissent comme ça, en fait. Ce que vous allez voir, c'est... Enfin... Non, je dis une connerie, là. Pas tous, mais par exemple, là, si on était dans les Oracles, voilà. Ils se mettraient par défaut dans le truc, et dès qu'on rencontrerait la personne à qui le donner, ça... Voilà. En lui parlant, ça le donnera automatiquement. Alors que là, faut l'équiper, et le... Enfin bon. Je me comprends. Alors vous allez voir, putain, je... la honte. Donc là, faut faire gaffe, c'est un sol qui peut se casser. Les ennemis reviennent aussi, c'est casse-couille. Tac. Bon, je vais aussi devoir vous dire un truc, parce que bon, ça vaut le coup, je le fais pas pour rien. Je le fais, bon, pour vous le montrer, bien sûr, mais... Il y a une raison particulière à cela. C'est le départ de... le regretté Alcatraz. Donc Alcatraz qui faisait des vidéos et qui avait justement fait... Putain, il va arrêter de m'emmerder. Bon, c'est assez sympa, on peut pousser le bouclier avec les... Non, pousser les ennemis avec le bouclier, putain. Pas ça. Vous voyez, ils reviennent. Alors... Alors ça, je vais vous expliquer. On peut trouver parfois en tournant des ennemis, soit un fragment de puissance qui augmente les dégâts de l'épée, qui fait gicler les ennemis aussi, vous allez voir, c'est sympa. Soit un gland qui augmente la défense, quoi. Donc c'est temporaire. Quart de cœur qu'on ne peut pas récupérer non plus. Donc je parlais d'Alcatraz, qui avait fait Link's Awakening. Bon, il a arrêté, il a supprimé son compte, voilà. Bon, je parlais avec lui, je lui ai demandé si ça le dérangeait que je refasse le jeu. Voilà. Donc il m'a dit que je pouvais y aller, du coup, voilà. Donc Alcatraz, voilà. C'est un peu en ton hommage que je fais ça. Voilà, donc là on va lui passer le champignon. Donc ouais, j'espère que tu regardes mes vidéos. Ouais. Tu l'as testé ici, qu'elle nous dit. Donc ouais, on peut la tester là, pour allumer la lampe. Donc voilà, et là elle nous dit que bon, si on a...
Si on n'a plus de poudre, il suffit d'aller rechercher un champignon et clac. Vous allez voir qu'on peut l'essayer sur les ennemis. Voilà. Ça fait comme dans les Oracle avec les grains de mystère en fait. Voilà. Sinon ça peut cramer les ennemis. Donc, putain, j'ai déjà plus que la moitié de ma vie. Bon, déjà l'épisode n'est pas facile, mais en plus, bon, je vous avoue que c'est la troisième fois que j'enregistre la vidéo. Parce que, bon, j'ai eu quelques problèmes au début, et puis là, à un moment, j'ai super mal joué. Ce qui a fait que j'ai dû recommencer. Donc voilà, on a la poudre, qui va nous permettre de... Bah, vous allez voir. Je vous laisse la surprise. De la mettre sur le raton laveur. Ah. Skip machine. Je vois qu'on est... Et en fait, c'était un... C'était un homme. Ouais, son père lui va nous dire. Et maintenant on peut monter enfin, parce qu'avant on pouvait pas, ça nous téléporte autre part, pour récupérer la clé flagello. Voilà. Et là Bibou nous dit. Ouh. On se passe à ça, on s'en fout. Voilà, va à la clé flagello. Et prends l'instrument qui est dissimulé. Voilà, le poisson rêve attend. Bon ça il va nous le dire avant chaque donjon, le poisson rêve attend, machin. Alors le poisson rêve. Tiens, sur l'écran titre du jeu, vous avez vu un œuf. Et bien c'est l'œuf du poisson rêve, voilà. Donc je peux pas vous en dire plus sans spoiler le jeu. Et c'est la fin du jeu qui est vraiment surprenante, même si bon on peut deviner avant hein, ce qui va se passer quoi. Alors j'hésite entre vous faire une visite du village ou entre terminer le donjon en fait. Allez, visite du village. Donc voilà, ici sur votre gauche. Non. Donc ça c'est un toutou bombe qu'on peut voir dans le Hooksu de Yoshi's Island de Skellrex. Là il y a un truc qui est dissimulé, vous verrez ça plus tard. On peut frapper les chiens, après ils nous attaquent. Voilà. Ok. Ok. On peut aussi tuer les chiens, et c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Attends, vous allez voir. Ah non on peut pas. Si si si, j'en suis sûr en plus. Voilà. Ça c'est horrible, parce que regardez, il apparaît plus. Bon, c'est sadique. On peut faire pareil avec les poules. Donc les poules on peut aussi, comme dans pas mal de Zelda, les frapper. Bah je crois que c'est à partir de Zelda. En plus. Donc en fait ce Zelda c'est le troisième épisode de la série. Donc le premier c'est... Attendez, je raconte pas de conneries. Bah je The Legend of Zelda. Bah. Voilà, vous avez compris. Ça, c'était le mec qu'on a sauvé dans la forêt. Le deuxième, bah, c'était The Adventure of Link, que Druxor est en train de faire, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, allez le voir. La balade du poisson, ouais. Voilà, donc ça, c'est une musique importante du jeu, qu'on verra plus tard. Mais en attendant, on va... Ouais. Oui, donc je disais, putain, je termine jamais mes phrases. Donc oui, je disais, c'est le troisième épisode. Donc après, il y a The Adventure of Link et bah, il y a celui-là. À moins que ce soit le quatrième, en fait, j'hésite, là. Non. Alors à moins que A Link to the Past sur Super NES soit sorti avant, j'hésite. Sachant que celui-là est sorti en 93. Ouais, c'est bien possible quand même que ce soit le quatrième. Donc là, vous allez voir un mini-jeu. Ouais, poulet, poulet. J'espère comment il marche sur place, lui. Enfin bon. Là, je vais capturer le Yoshi. Vous voyez, il va encore en Yoshi's Island. Donc là, faut d'abord appuyer sur B pour le déplacer horizontalement. Puis sur A pour le déplacer verticalement. Donc le Yoshi, c'est très sympa à attraper, mais c'est les autres trucs, c'est chaud. Pour la simple et bonne raison que le temps que le crochet là attrape le truc, il est déjà parti quoi. Donc faut calculer avec le timing et tout. Donc là Yoshi, on va... Putain mais pourquoi je dis ça?
Merde, le bouclier nous protège. C'est vrai, je pourrais rester une heure dans le village rien qu'à écouter la musique. Donc là, un magasin. Donc, particularité de ce Zelda, on peut voler les objets, vous allez voir. Donc, il suffit de tourner. Bon, il va me saouler longtemps. Voilà. Donc, du coup, on peut avoir tous les objets gratos. Mais, vous allez voir ce que ça nous coûte. Si on rentre dans le magasin. Tac, il nous bute. Donc voilà, quelle que soit notre vie ou qu'on ait une potion ou je sais pas quoi, on est obligé de crever. Et après, bah, y a du coup, ça a pour conséquence que tout le monde nous appelle voyou, vous allez voir. Voilà, voyou. On nous appelle plus par notre nom après. Donc bon, c'est pour payer pour avoir des objets gratos, moi je dis je m'en fous. Donc le Yoshi qu'on a récupéré, on va l'utiliser voilà, sur cette madame. Je te donne ceci. Et voilà un ruban. Donc là c'est le début de la quête des objets ça. Donc là il y a un mec qui s'est déguisé en Mickey. Je sais pas qu'on se connaît comme ça. Enfin bref. Oui, je suis pas allé directement en premier donjon parce que je sais pas si j'aurais eu le temps de le finir, mais bon. Ce sera la prochaine vidéo. Là une girouette. Voilà, CJ, le coq volant. Donc ça c'est important parce que on en aura besoin plus tard, vraiment. Je vais pas spoiler. Là un jeu de pêche. Caché en fait. Ça coûtera un essai, je vous le montrerai. Poulet. Donc, vous allez voir. On prendra, on jette. Et après, on. Non. Donc ça c'est des poissons de merde, donc vaut mieux pas les prendre en fait. Faut prendre les gros parce que cela nous donne 5 rubis, alors que les autres je sais plus combien mais plus. Et vu qu'on paye 10 rubis la partie pour gagner 5 rubis, c'est pas trop intéressant quoi. On t'a monté ouais. Enfin, voilà, c'était juste pour vous montrer le jeu hein, parce que je voudrais. Non. Putain. Je m'en. Pardon. Petit. Vas-y. Connard. Pardon. Non. Voilà, bon. Je vous dis que ce jeu était à chier parce qu'en fait, bon, il est pas dur, hein, c'est que je sais pas jouer. Mais c'est que il rapporte pas assez, en fait. Donc là, voilà la maison du tout monde. Je crois que ça s'appelle un fond, mais je suis pas sûr, en fait. Ici, il y a Pepe Ramolo. Voilà, qui porte bien son nom sur sa chaise. Bancal, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Un grand causeur. Ouais. Donc voilà, donc Pepe Ramolo, en fait, tout le long du jeu, vous verrez des cabines téléphoniques comme celle-ci. Puis si vous êtes perdu, bah, c'est lui qui donne les indices, il suffit de l'appeler et il nous dit quoi faire. Voilà, bah, on a fait le tour du village. Donc on va se rendre au premier donjon. Puis je vais vous quitter devant, si j'ai le temps. D'y aller. Allez, j'ai oublié la bibliothèque, et voilà, on y retournera plus tard. Donc les livres nous donnent des indices, c'est un espèce de tutoriel. Là. Donc je vous rappelle que je fais ce walkthrough en hommage à la 4 phrases, là, qui a quitté le monde de Daily. Hein. Il est vivant, je vous confirme. mais voilà. Bon, il a arrêté pour raison personnelle, il pouvait plus enregistrer, et voilà. Et on utilise. Tadadana. Voilà. La clé. Et premier donjon du jeu. Cave Flagello. Et ben je vous quitte ici. Donc ben à la prochaine pour la suite. Allez salut. Et Alcatraz, j'espère que tu regardes.